Professeur Zell, aujourd'hui on va étudier une leçon d'orthographe dont le titre est « Les mots contenant A et E ». Lisons la phrase A. Pour sa fête, Salim a reçu 16 crayons et une règle. Il est vraiment content. Passons à la phrase B. À 5 heures, les enfants quittent l'école. Les parents ne vont pas klaxonner. Alors, mes chers élèves, lisons seulement les mots en couleur. Alors, nous avons fête, 16, crayon, règle et vraiment. Alors, quels sont ceux qui se répètent dans cette phrase? Quel son se répète-t-il à chaque fois? Oui, c'est le son « est ». Bien. Alors, a-t-il la même graphie? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non, très bien. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ils s'écrivent différemment. Très bien. Par exemple, le « est » de « fait » s'écrit avec « est », accent circonflexe. Et accent circonflexe. Par rapport à E de 16, s'écrit avec EI. Il s'écrit avec EI. Par rapport à E de crayon, s'écrit avec AY. Il s'écrit avec AY. Par rapport à E de règle, vous voyez, il s'écrit avec E accent grave. Il s'écrit avec E accent grave. Par rapport à « et » le verbe « être » s'écrit avec « est ». Voilà, « et » « est ». Et enfin, le « et » de « vraiment » s'écrit avec « ai ». Et voilà, « ai ». Très bien. Maintenant, passons au mot en couleur de la phrase B. Nous avons « 5 »« quitte ». École. Klaxonner. Alors, que remarquez-vous, mes chers élèves, dans cette phrase? Oui, est-ce qu'on entend le même son? Oui, on entend le même son. Quel son entendons-nous? On entend le son que. Est-ce qu'il a la même graphie? Ce son-là, a-t-il la même graphie? Non. Le son que n'a pas la même graphie, donc il s'écrit différemment. Voyons, le que de 5 s'écrit avec un que l'on. Que l'on. Le que de qui s'écrit avec que l'on u. Que l'on u. Le son que de école s'écrit avec un C. Voilà, un C. Et enfin, le son de klaxonner s'écrit avec un K. Voici un K. Très bien. Alors maintenant, avez-vous compris la leçon, mes chers élèves? Très bien. Alors, après avoir bien assimilé cette leçon, vous allez bien apprendre, je retiens, à la page 19 que je vais vous lire. Les sons « et » peuvent s'écrire « et » accent circonflexe comme « fête » et « ei » comme « 16 » et accent aigu comme « crayon » et accent grave comme « règle » et « ai » comme « vraiment ». Et le son « k » peut s'écrire avec « que l'on » comme 5, que l'on eut comme quitter, avec un C comme école, et avec un K comme képi. Et au revoir, mes chers élèves, et à bientôt. Et merci de votre attention.